maintenant. Maintenant, nous pourrons reprendre notre œuvre. L'extraterrestre est désormais inoffensif. Oui, maintenant, on peut se remettre au travail. Que se passe-t-il? Les drones semblent en difficulté, vois. Les drones est blessé, amène-le ici. Non. Attends, je vais m'en occuper moi-même. J'ai une autre mission pour toi, Karas. Pars à la recherche de l'androïde volant et assure-toi qu'il est bien mort. Le laser de la mort l'a réduit en cendres. Il faut en être sûr. Retrouve-le. Sur mon chemin, je ne veux pas de gêneur. L'image que vous voyez en ce moment sur votre écran de télévision n'est pas un trucage de cinéma, mais un véritable monstre marin. Il a fait son apparition dans la baie de Fuji, puis il a ravagé une grande partie de la zone industrielle, causant des millions de dégâts. Regardez, la bête expulse du gaz asphyxiant. Voyez-les tomber comme des mouches. Il doit y avoir déjà des centaines de victimes. Vous étiez un des premiers témoins. Vous pensez que la chose a pu venir du fond de la mer? Ah ça, je saurais pas à vous dire, non. Mais je suis sûr de l'avoir vu sortir de la boue. Et ensuite, la chose a rampé vers le rivage, exact? Oui, c'est ça. On aurait dit qu'il était fait de toutes les saletés qu'on jette dans la mer. Il y a encore une autre énigme. Des témoins m'ont dit qu'un homme étrange volait dans les airs, sans aucun support visible. Cet homme a attaqué le monstre, avec une sorte de rayon spectral. Spectreman. Voilà un joli surnom. Nous le nommerons ainsi si jamais il réapparaît. Mais ce serait bien étonnant. Je viens de recevoir un autre flash spécial. Le gouvernement demande que tous les habitants de la zone contaminée demeurent chez eux tant qu'on ne sera pas assuré exactement que le monstre ne réattaquera pas. Brigade anti-pollution, vas-y. Oui. Ah non, pas question. Pourquoi ça? Pourquoi? Mais à cause des gaz asphyxiants. Je regrette, monsieur, la zone est interdite. Ah, dans ce cas, faites comme si vous ne nous aviez pas vus. À moins que vous préfériez qu'on ne vous assomme, hein? Alors c'est d'accord? Et surtout, n'abandonnez pas votre faction. Non, monsieur. Ok, alors on s'en va. Allez, démarre maintenant. Eh bien, Réa, qu'est-ce qui ne va pas? Je m'inquiète pour Georges. Ah, Georges, il ne doit pas être bien loin d'ici. Il est sûrement au chaud dans son lit. J'étais sûr que lorsqu'il y aurait du danger, Georges se défierait. Bon, oublions-le. Je ne veux plus entendre parler de lui. Oh, soyez pas injuste. Il nous a tout de même prédit ce qui arriverait, pas vrai? Bien sûr, mais c'est simplement qu'il a eu un petit coup de chance. Nous avons voilà beaucoup tout. De travail à faire. Alors ne parlons plus de lui. Compris? Ne serait-ce rien qu'un coup de chance? Je ne sais pas. Il a quelque chose de bizarre, ce jeune gars. D'où vient-il? Où va-t-il? C'est peut-être idiot, mais il m'était sympathique. Ah. Vous allez bien, chef? Bien sûr. Allez au boulot. Oui, chef. Bouton, attention! Non! Ne te plains pas, Otto. Ça aurait pu être ton crâne. La chose est sûrement dans les environs. Thank you.
Où est-il? Où est-il? C'est sa tête. Tu es mon papa. Par un cerveau positronique. Il est sous le contrôle de Nebula 79, planète artificielle qui se déplace à volonté à travers tout l'univers. Nebula 79 fait partie de la Fédération universelle. Le robot est connu sur la Terre sous le nom de Spectreman. Sa mission est de protéger les planètes sous-développées de l'univers d'une destruction causée par elle-même ou par d'autres. Nebula 79. Oui. Votre honneur, la mission de Spectreman est de sauver l'humanité de la destruction en combattant la pollution qui menace l'équilibre biologique de la planète. Très fâcheux. La Fédération va certainement en envoyer d'autres. Il nous faut trouver la manière d'éliminer ce nouvel obstacle. Si je veux réussir la conquête de la Terre, j'ai besoin d'armes plus puissantes. Carras, ouvre la réserve de pollution. Lâchez drone. Qu'il goûte les acides polluants. Maintenant, Hedron, tu vas te nourrir. De toutes les pollutions terrestres, elles te rendront redoutable. Personne n'osera plus gêner mes projets contre l'humanité. Maintenant, j'ai deux choses essentielles à vous dire. Premièrement, au sujet de la densité du gaz asphyxiant. Si l'aiguille de nos compteurs dépasse 250 parties d'un million, tirez-vous de la zone tout de suite. Oui, chef. Bien. Bien. Deuxièmement, il faut mesurer la densité du gaz, ce qui nous permettra de situer le lieu où est le monstre. Réa, vous m'écoutez? Georges, reviens! Quoi? Georges! Salut! Salut! Regarde ça. On dirait qu'il est blessé à la jambe. On pense que ça va? Oui, oui, merci. Merci, maître. Ça peut aller. Vous le dites, mais je n'en crois rien. Allez vous allonger, c'est un ordre. Vraiment, un ordre? Bien entendu. Vous avez voulu travailler avec nous. Comme je suis le patron, vous devez obéir. Vous avez raison. D'accord, je vous obéirai. Asseyez-vous. Bon. Montrez-moi ça. Ouh, mais ça paraît sérieux. Qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes même pas brûlé du tout. Votre peau n'a aucune trace. Arrêtez, patron, vous me chatouillez.
Je vous l'avais dit, patron, ça va très bien. Alors ça, j'y comprends rien. Vous n'avez pas une seule trace de brûlure. Le garçon a des ennuis? Oui. Cet enfant dit que son père a été tué hier et il veut se joindre à nous. Ah, je vois. Mais c'est un job très dangereux, tu sais. Monsieur, s'il vous plaît, je veux venir avec vous. Mais c'est impossible, je suis désolé. Si je le pouvais, je le ferais. Mais tu comprends, n'est-ce pas? Je suis aussi brave que vous l'êtes. Il faut que je fasse quelque chose. Le monstre avance vers nous et vous savez ce que ça veut dire? Je sais que ce monstre se nourrit de toutes les saletés qui sont dans l'eau et il devient de plus en plus fort en mangeant tous les déchets qu'on jette dans la mer. Et chaque jour, il rejette la pollution et puis il tue des gens. Je veux vous aider. Nous devons l'empêcher. Nous essayons, mon garçon. Nous faisons pour le mieux. Mais... Réa, écoute. Oui? À propos du rapport qu'on doit remettre, tu ferais bien de t'en occuper. Oui, tout de suite. Et vous, je... Non, mais je viens juste de le voir. Mais il faut qu'ils comprennent que ça ne peut plus durer, j'en ai assez. Spectreman, ici Ordinator. Nous avons réparé et reconstruit votre armure électronique. Elle vous sera téléportée quand vous serez en état de poursuivre votre mission. Nos radars ont découvert la présence d'un autre vaisseau spatial dans cette zone. Nous avons déterminé qu'il est originaire de la planète I, ce qui confirme nos soupçons. Le docteur Gori veut conquérir la Terre. Il utilise la pollution terrestre pour créer ses monstres. Il est redoutable, Spectreman. Méfiez-vous de lui. Maintenant, préparez-vous pour la téléportation. George, qu'est-ce que tu fais ici? Tu suis une Salut, petit. Oui, mais tu ne dis rien, d'accord? Non. Merci, Isami. Pourquoi? De rester calme. Oh, je reste calme. Mais je veux que mon papa sache que j'ai essayé de faire ce que je pourrais pour sauver la ville et aussi la mer. Tu sais, tu ressembles beaucoup à mon père. Merci, il sera fier de toi. Alors, tu veux combattre la pollution, hein? Oui. Un jour, tu le feras. Quelqu'un devra le faire. Bientôt, avant qu'il ne soit trop tard. Pas seulement la mer, mais la terre entière est polluée. Écoute ce que je vais te dire. Tu vas chercher de quelle façon on vaincra la pollution. Et moi, je tuerai la créature. Oui! Et si t'as besoin que je t'aide, appelle-moi, je réplique aussitôt. Je n'en doute pas. Merci. Peux-tu voir ta maison ici? Ah oui? Elle est là-bas, derrière les bateaux. Celle-là? Dites donc, je ne suis pas à la noce avec vous autres, jeunes gens. Allez, au boulot, et tâchez de ne pas vous perdre. Oui, patron. On y va. Allez, allez, aïe, allez. Oh, mais ça... Il s'amuse bien, hein? Ah oui, il s'amuse comme de vrais gosses. Aïe! Oh, oh. Tu vois ça? Pollution, nuages de fumée. Que penses-tu de ça? Regardez! Voyez cette chose qui descend! Le vent s'atterrit près du bureau. Le patron et Georges sont là-bas. C'est vrai, allons-y. Oui. Partons vite d'ici. Ordinateur. Ordinateur, répondez. Spectreman vous attend. Très bien, on est en sécurité ici. Il va s'en aller. Je crois que j'ai une idée. Je peux aller chercher la voiture. Il n'y a qu'une trentaine de mètres. J'ai une bonne chance. Ne bouge pas, je reviens dans une seconde. Je vais te faire ce que t'as fait à papa. Je vais vous sortir de là. Allez, faites un effort. Ah. Où diable se trouve Ordinator? Ordinateur!
Spectreman, transmutation immédiate. Détruisez le monstre. La ville court un grand danger. Regardez ça, un homme volant. C'est peut-être Spectreman. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'aimerais que Georges le voie. Je parie que ce type fera son affaire à celui qui a tué papa. Ouais. Carras, tu m'as dit qu'il était mort. Maintenant, il a attaqué Dron. Tu as saboté mes plans. Fou que tu es! Détruit Dron. J'ai peut-être perdu le premier round, Spectreman, mais ne te réjouis pas. Je gagnerai le prochain. J'ai toutes les raisons de persévérer. Avec mes monstres, je défie quiconque à la surface de l'univers. Et lorsque j'aurai fini, vous serez anéantis. Alors la Terre et tout ce qu'elle a m'appartiendra. À moi, oui, à moi. Et ça, c'est la fin. Je ne crois pas que nous ayons à nous faire du souci pour ce tas de débris. Je vais chercher un échantillon. Et dis donc, rappelle-toi que nous devons remercier Georges. Après tout, il a sauvé le patron. Je crois, Georges, que le patron va vous demander de rester. N'est-ce pas? Quelqu'un veut un bout? Non, monsieur, je viens de déjeuner. Eh bien, Georges, bienvenue dans l'organisation. Merci. Cet homme volant, qui peut-il être? Je le trouve très sexy. Hey, Georges! Hey, Georges. Oui, petit? Tu connais le gars qui a détruit la créature? Tu sais, je ne suis même pas sûr que c'était un homme. Mais je suis sûr qu'il est venu nous aider à combattre la pollution partout sur la Terre. Tu mens! Tu crois que je l'ignore? J'ai vu ce qui s'est passé. Tu es Spectreman, t'as tué le monstre. Hey, Georges! Eh bien, je dois partir maintenant. Attends, je veux que tu gardes ça. C'est le briquet dont se servait mon père. Moi, je ne fumerai jamais. Merci. C'est gentil et j'apprécie. Vous reviendrez pour me voir? Tu le sais bien. Et très bientôt. Au revoir. Il vient. J'arrive. À bientôt. Et bien en route. Au revoir! Ne m'oublie pas,
si sa wa wa su le wa si nai Uchuu wo tabi shite me ni tsuita Chikyu wo kanarazu shihai suru Rai, kongeki no toki ga kita. わたしは科学者宇宙エンジンゴリラのだ